Salut, aujourd'hui on va faire un petit trip trip fusée quoi. On va normalement voir le décollage d'Ariane 5 à Kourou. On va espérer qu'elle décolle hein, parce que des fois elle décolle pas du tout. Bon, et des fois même jusqu'à 7 secondes avant l'envoi quoi. Donc voilà, bon bah écoute, j'espère que je vais vous ramener des images. Allez, à bientôt. La sécurité aujourd'hui. On arrive mon Johnny Boy. On arrive à Kourou. Kourou. Et c'est parti. L'espace. Oh oh oh, il y a l'armée. Oh le truc de barjo. Oh le barjo. Yes, Musée de l'espace. Ok, donc on est au Centre Spatial Guyanais. Il y a le Musée de l'espace juste à côté.
Merci. Et tout au-dessus, au sommet, eh bien c'est la coiffe. La coiffe qui abrite nos deux satellites, nos deux passagers du vol de ce soir. Oui, alors ce soir, la cellule de vol comprend les principales autorités d'Ariane Espace, Stéphane Israël, le PDG, Louis Laurent, le directeur des essais, le directeur technique central. Et oui, le H0, lui, leur décollage, H0 prévu à 17h30, heure locale, heure de Guyane, 22h30, heure de métropole, et la durée de la fenêtre de lancement, eh bien, elle est de 50 minutes exactement. Oui, et ce soir, ce sera le 27e satellite lancé. Le bâtiment est rendu étanche et il fonctionne sur un mode d'air recyclé. Bref, nos opérateurs sont en sécurité au CDL3. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Ah oui, oh là là. Ça y est, Ariane 5 s'est envolée, elle s'est bien envolée, elle a dépassé la couche de nuages et 1300 tonnes de poussée, propulsion pour lanceur qui a déjà dépassé Mach 1, car le lanceur dépasse la vitesse du son en 40 secondes seulement. Et oui, ça va très très vite, en 1 minute, Ariane 5 dépasse déjà 12 km d'altitude, en 2 minutes on est à 5 km, et en 3 minutes on aura atteint les 100 km. 100 km, c'est la limite 5 minutes de l'atmosphère, puisqu'au-delà, on considère que c'est le vide spatial qui commence. Cette poussée fulgurante que l'on voit avec cette très belle poudre, eh bien c'est les EAP, les étages à poudre, qui en assurent 90% de la puissance de ce lanceur. Ces étages à poudre sont interviewés à française dans les usines de Régus et de Révolution. Oui, et ces EAP mesurent 31 mètres de haut, ils consomment 2 mètres de pierre, 2 tonnes de poudre par seconde, c'est-à-dire 2 litres environ. On a consommé 240 tonnes qui étaient en Paris. Alors à ce moment, il faudra bien sûr se séparer. Avec les caméras de notre réalisateur et les équipes de Guyane Première, là vraiment c'est très très belles images. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir la suivre encore, mais enfin, en tout cas ça continue, tant mieux. Bientôt la poudre des EAP de protocole se libère, épuisée, le lanceur va se délester de la masse à vide de ses deux douceurs, 36 tonnes chacun, et on va peut-être allumer, et on s'en est séparé comme on le voit sur ces images de caméras embarquées. Le lanceur faisait 773 kg, et bien maintenant on a perdu 600 kg, il n'en fait plus que 173. Non, j'ai dit des kilos, ce sont des tonnes, conforme au programme de vol. Voilà, on vient de se débarrasser de la masse imposante, on le voit sur ces images de caméra embarquée, de l'EPC, et tout de suite, eh bien, c'est le moteur HM7B qui va se mettre à pousser. Alors, masse restante du lanceur avec ses passagers, environ 25 tonnes. 25 tonnes, ça correspond à l'étage supérieur, la case d'équipement, le site d'art et nos deux satellites embarqués. Oui, alors souvenez-vous, on est parti avec 773 tonnes tout à l'heure, on n'est plus qu'à 25 tonnes maintenant, c'est-à-dire qu'on n'a plus que 3% finalement de la masse initiale. Et oui, et le moteur HM7B de l'étage supérieur, vous le voyez fonctionner sous vos yeux et sous vos écrans, il va fonctionner pendant 16 minutes pour atteindre l'orbite de transfert géostationnaire. Dans un sujet qui nous présente son satellite, Eutelsat 25B, SIL 1. J'ai l'information et de la communication. L'étage supérieur cryotechnique va bientôt arriver à la fin de sa mission, va bientôt éteindre son moteur et la phase propulsée de la mission sera donc terminée. Eh bien, cela voudra dire qu'on a atteint l'orbite de transfert géostationnaire et à partir du moment où le moteur HM7B va s'arrêter, eh bien, c'est la phase balistique, une phase non propulsée qui va pouvoir commencer. C'est le début de ce qu'on appelle souvent le balai de l'espace.
Alors la prochaine étape, maintenant hein, qu'on est dans cette phase balistique, ça va être d'orienter le lanceur pour séparer Eutelsat 25B et Sailor, vous l'avez dit, c'est le premier passager. Les satellites sont encore accrochés au lanceur, un lanceur qui est plus composé que de l'étage supérieur, la case à équipement, et puis sur le périmètre extérieur du lanceur, cela permet d'orienter le satellite dans la direction souhaitée par le client. Oui, alors on le voit sur les images de synthèse, hein, ces petits flashs que l'on aperçoit, ce sont en fait des jets intermittents hein, provoqués par ces tuyères. Ce sont ces tuyères, ces impulsions-là, qui vont donner les impulsions justement donc nécessaires pour réaliser les manœuvres d'orientation. Et il va y en avoir, hein, des manœuvres d'orientation à l'heure actuelle. Donc le satellite est posé sur son adaptateur, maintenu par une sangle. C'est un système pyrotechnique qui va permettre de relâcher la sangle sur commande de l'ordinateur de bord. Et bien voilà, les images sont fidèles au programme de vol, donc c'est ce qui est en train de se passer dans l'espace, loin au-dessus de nos têtes, et les ressorts qui étaient comprimés vont se déployer, vous voyez, ils permettent de pousser le satellite en l'éloignant du lanceur. Voilà, le satellite Eutelsat 25B SL1 vient d'être séparé du lanceur, vient de prendre sa vie dans l'espace. On peut le dire, on peut l'affirmer, le Qatar vient de se doter d'une infrastructure satellitaire autonome. Et SL1 est le premier satellite de télécommunication de l'opérateur qatari Eutelsat. Oui, et ce satellite va desservir le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie. À tout instant, on peut peut-être vous donner quelques indications sur les opérations satellites qui vont avoir lieu après la libération de GSAT-C. Alors, très rapidement, hein, ce sera 20 secondes seulement après la séparation, et bien le satellite va déployer ses panneaux solaires pour pouvoir recharger ses batteries. C'est fait, Michael Calari se lève. Accolade avec son client, Béatrice Romero, c'est pareil. Du côté des VIP aussi, c'est les sourires. Arlène Tessie.